nous retrouvons sur le plateau de la chaîne Sefia TV. Merci beaucoup d'être avec nous. Nous sommes ravis de vous accompagner depuis tout à l'heure. Nous avons lancé mysefia.com. Nous avons commencé à ressentir la température ici de ce salon. Vous êtes déjà très nombreux. Nous en sommes ravis et il est avec nous pour présenter sa keynote. Il est là, il est content d'être là, j'espère en tout cas. Théodore, bonjour. Bonjour Jérôme. Théodore Zakian, pour la keynote d'Alkia Froid Solutions. Vous allez la présenter dans quelques instants, juste avant de débuter la keynote. Petit aperçu, petite sensation, petite perception du nouveau Sefia version 2019, l'implantation. Beaucoup de halls en plus, ça fait plaisir. Beaucoup plus de place pour les exposants, donc c'est riche. On est content d'être là. La présentation rapidement de votre entreprise. Donc Alkia Froid Solutions, peut-être plus connue sous le nom de Cébon. C'est une entreprise qui était familiale, qui a été rachetée par Alkia Groupe EDF, qui est experte en froid industriel. Donc nous, on va proposer tout ce qui est installation frigorifique pour les usines agroalimentaires et non agroalimentaires. C'est pour ça qu'on est ici au Sefia depuis de nombreuses années. Oui, puisque vous êtes un exposant historique. C'est ça, oui. Félicitations. Ça fait vraiment... Je 23 pense, ans peut-être pas 23 ans, mais on a largement dépassé les 10 ans d'exposition. Largement. Ok, exposant historique qui va s'installer devant son pupitre pour la keynote. Je vous laisse vous installer. Hop, on passe devant la caméra et on se retrouve donc dans quelques instants juste devant le pupitre. Sachez que nous retrouverons juste après la keynote, on parlera d'ergonomie avec une ergonome passionnée, Myriam Barden. On y est ? Allez, je commence ? Allez, c'est parti. Donc bonjour à tous. Donc toute première info assez fraîche. Donc en 2019, c'est l'année du changement pour Alkia Froid Solutions, parce qu'auparavant, nous nous appelions Cébon, et nous avons en janvier changé de nom pour s'appeler Alkia Froid Solutions. Voilà, donc ça, c'est l'info 2019. Il y a juste le nom qui change, les équipes restent les mêmes, notre expertise en froid industriel reste intacte. Donc, comme je disais, expert en froid industriel, Alkia Froid Solutions a installé plus de 100 installations avec des fluides naturel, CO2 ou NH3. Donc c'est une bonne maîtrise des technologies. En plus de cette maîtrise de technologie, nous avons une couverture nationale assez importante, puisque nous avons 65 agences de proximité. Donc ça nous permet d'être au plus près de nos clients, peu importe où ils se trouvent au niveau national. Et également de garantir la continuité d'exploitation. Donc ça, on sait que c'est capital dans les industries de ne pas avoir d'arrêt de production. Ça justifie notre implantation au niveau national. Ce que je veux vous présenter, c'est surtout notre offre éco-solution froid, donc notre offre pour l'installation, la conception, la maintenance et la performance énergétique pour le froid industriel. Donc pour faire ça, bien entendu, on est épaulé en interne par 75 bureaux d'études spécialisé en froid industriel. Donc ça permet de capitaliser sur un savoir-faire historique en conception d'installation. Donc un petit chiffre, en 2018, on a un peu plus de 400 sites qui ont été gérés par Alkia Froid Solutions. 400 sites en froid industriel. Donc Éco-Solution Froid, c'est notre offre dédiée à l'installation et à la maintenance en froid industriel. Donc c'est une offre globale à tiroir. Quand on dit global à tiroir, c'est-à-dire que c'est une offre qui propose à la fois l'installation et la maintenance, avec plus ou moins d'options en fonction du profil de nos clients. Donc au niveau de l'installation, c'est une offre où on va garantir les COP de conception. Donc quand on dit COP de conception, ça va être les coefficients de performance au démarrage. Après, on peut aller évidemment plus loin, mais la garantie de base, c'est vraiment le COP de conception. On va évidemment, pour les besoins en froid industriel, garantir tout ce qui est paramètres de fonctionnement. Donc ça va être tout ce qui est température, débit, taux d'empoussièrement, pression. Ça va être vraiment tous les paramètres qui sont capitaux pour le maintien de vos produits au niveau des process. Ce qu'on va également garantir, c'est le coût global de possession. Donc pas de surprise. Quand on vous fait une proposition, on va faire des projections sur 5, 10, 15 ans pour voir exactement qu'est-ce que l'installation va vous coûter. Et évidemment, on garantit le délai de réalisation des travaux, capital. Quand on passe côté maintenance, on va garantir tout ce qui est délai d'intervention, notamment l'astreinte, comme je l'ai dit un peu plus tôt, grâce à une couverture nationale.
On va évidemment respecter le budget de maintenance de nos clients industriels. Et on va essayer de remonter tout ce qui est indicateur clé de performance via des reporting. Donc, vous, clients offre industrielle, vous allez pouvoir accéder à vos données de maintenance type, type GMAO. Vous allez pouvoir vraiment accéder à tout ce qui est, tout ce qui est OT, tout ce qui est OT, tout ce qui est taux de dépannage, taux de fuite, tout ce genre de choses qui vous permettent en fait de maîtriser de bout en bout votre installation, du moins la partie en fond industriel. Donc ça, c'est vraiment l'offre de base qu'on propose en, en fond industriel. Donc, petit exemple, dans un abattoir de volailles dans le département 49, donc on a fait une belle installation au NH3, donc le fût naturel, qui est, son autre nom c'est l'ammoniac, donc 2700 kW, donc au régime moins 12 ou 45. Donc ça, ça permet en fait à la fois de couvrir les besoins en chaud, en froid et en chaud, puisque en fait, sur cette installation, on a mis en place une pompe à chaleur en surcompression. Donc ça, c'est une maîtrise technologique qu'a Delca Froid Solutions qui permet de rehausser le niveau de température. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une récupération de chaleur, généralement, on va facilement atteindre les 40-45 degrés. Avec la PAC en surcompression, on va réussir à atteindre les 80 degrés assez facilement. Donc c'est très utile pour le process, notamment de ce client. Ce qu'il faut bien comprendre sur cette installation, donc, suite à l'offre Éco-Solution Froid qui a été retenue par le client, c'est qu'on a fait la production frigorifique pour son process, mais on couvre également, entre guillemets, gratuitement son besoin chaud. Parce qu'en fait, on va récupérer la chaleur sur la production de froid. Et grâce à cette chaleur récupérée, on va chauffer 150 mètres cubes d'eau à 80 degrés. Donc voilà, c'est assez conséquent pour un industriel, pour le noter. Donc évidemment, grâce à cette installation, on a pu complètement annihiler la consommation de gaz du client. Donc auparavant, il consommait 100 000 euros de gaz par an. Suite à l'installation, il est passé à zéro. Donc évidemment, on a un retour sur investissement à zéro mois. L'installation a été autofinancée au bout de quelques mois. C'était une belle installation. Maintenant, pour aller un peu plus loin dans Éco-Solution Froid, la dernière brique, celle qu'on vient de mettre en place, c'est le CPE. C'est-à-dire que la première étape, ça a été de faire des conceptions, des maintenances d'installations en fond industriel qui répondaient aux besoins du client. Un autre besoin qui a été détecté, c'est pour ça qu'on a mis en place le CPE, c'est en fait une garantie supplémentaire du retour sur investissement. Donc un CPE, c'est un contrat de performance énergétique. C'est-à-dire que le client et Delca Froid Solutions vont signer un contrat pour prendre un engagement sur les consommations énergétiques du site sur 5 ans. Donc ce contrat en fait permet de à la fois garantir un retour sur investissement, mais également garantir des consommations énergétiques de toutes les utilités sur le périmètre choisi pour le CPE. Donc évidemment, pour que ça fonctionne, au préalable, il faut poser des compteurs. Donc soit il y a des compteurs existants, on récupère les données, soit nous, Delca Froid Solutions, on va poser des compteurs. Pour récupérer toutes les données, établir un plan de comptage et évidemment définir la situation de référence. C'est ça qui va être la base d'un CPE. Ça va être de définir de quoi on part pour savoir vers où on va et voir le delta de consommation entre avant et après. Et c'est sur ce delta qu'on va s'engager, nous, Delca Froid Solutions. Donc, la petite aide au niveau national qui existe pour les CPE sont la bonification des C2E. Parce qu'évidemment, on est sur des installations qui permettent de toucher des C2E et on va survaloriser les C2E, on va les bonifier avec un pourcentage qui est d'au moins 20%. Donc, c'est-à-dire que sur une installation avec 100 000 euros de C2E initialement, si on fait un CPE, on va être à 120 000 euros de C2E. Donc ça, c'est un petit avantage en plus qui permet d'améliorer le retour sur investissement des installations en fonds industriels. Voilà. Donc, pour bien comprendre un CPE, c'est une installation, une maintenance et un contrat de conduite d'installation. C'est tout en un. C'est une offre tout en un qu'on appelle CPE. Et donc, on a un exemple d'économie réalisée en Bretagne. On joue local. On a mis en place un CPE dans une industrie bretonne. Et donc, les projections, c'est-à-dire les engagements fermes que nous avons pris d'économie,
Pour l'eau, c'est supérieur à 340 000 euros sur 5 ans. Pour le gaz, on est supérieur à 240 000 euros. Les C2E, on va toucher un peu plus de 50 000 euros. Et donc, la bonification des C2E, grâce au système des CPE, elle est de 20 000 euros. Donc, tout ça, mis bout à bout, on est sur un retour sur investissement inférieur à 30 mois. Donc, évidemment, on n'est pas, comme sur l'autre exemple, sur un retour sur investissement de 0 mois, parce qu'il n'y a pas énormément de C2E. Par contre, la chose très capitale sur ce dossier-là, ça va être les économies d'utilité industrielle. C'est ces économies sur lesquelles on va s'engager. Donc, côté client, c'est plutôt rassurant parce que ces économies, si jamais on ne les atteint pas, c'est nous, Delka Froid Solutions, qui allons reverser des pénalités pour surconsommation aux clients. Donc, on est véritablement sur une offre qui permet de verrouiller et de sécuriser l'investissement au niveau des industries. Donc c'est pour ça que cette année, on a lancé cette offre. Voilà. Je vous remercie. Merci. Si on résume Delka Froid Solutions et cette offre éco-solution froid, c'est la garantie contractuelle d'une consommation d'utilité industrielle maîtrisée pendant 5 ans. Bonne expérience, ça s'est bien passé? Très bien, super. Merci à Delka Froid Solutions et merci à Théodore. Sachez que vous retrouvez Delka Froid Solutions Hall numéro 8. Nous sommes ravis de vous accompagner. J'espère que tout se passe bien. Votre aventure sur le CEFIA, sur la chaîne CEFIA TV, avec dans un instant un rendez-vous passionnant. Une ergonome qui va nous parler justement de conception industrielle en intégrant l'ergonomie. On en parle avec Myriam Barden dans un instant. Restez avec nous, c'est dans un petit quart d'heure. Vous passez un bon début de salon. Nous aussi, à tout de suite. On me, oh my. On me, oh my.